Bienvenue et merci de nous rejoindre pour ce week-end de course brésilien. Les essais libres vont bientôt commencer sur l'Autódromo José Carlos Patch. Les virages 1, 2 et 3, appelés S de Senna, forment une succession de courbes gauche-droite-gauche assez serrées et l'une des plus difficiles à maîtriser. Il est extrêmement facile de sous-virer dans la descente du premier virage qui enchaîne par un droite-gauche rapide. Plus loin, les pilotes débouchent à pleine vitesse dans la courvade au sol avant d'enchaîner sur la ligne droite Reta Opposta. Ces virages sont parmi les plus intéressants du championnat. Ils ont été ajoutés lors du retour du Grand Prix à Interlagos en 1990 et doivent bien sûr leur nom à l'un des plus grands pilotes de Formule 1, Ayrton Senna. Une erreur de jugement dans cet enchaînement peut vous coûter cher à la sortie du troisième virage à l'entrée de la ligne droite. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le circuit d'Interlagos à Sao Paulo au Brésil pour vivre la 20e manche de ce championnat du monde de Formule 1. Nous sommes réunis pour peut-être obtenir notre titre pilote. Ferrari pourrait repartir d'ici championne du monde constructeur, on n'en est pas là bien sûr. Il faut d'abord parcourir un week-end sur un tracé que l'on découvre avec tout d'abord les S de Senna qui sont un endroit particulièrement délicat où se jouent beaucoup de choses au moment de l'extinction des feux. La météo devrait être clémente en dépit de quelques nuages. La piste ne conviendra pas forcément à la Red Bull. On enchaîne avec le premier partiel et la ligne droite qui amène vers le gauche du lac. La voiture n'a pas évolué donc depuis les États-Unis. Une toute petite amélioration moteur viendra terminer le chemin parcouru en R&D à Abu Dhabi où on devra peut-être déjà se considérer comme champion du monde. Il faut pour cela mettre deux points de plus que Charles Leclerc. Il y a encore 52 points à prendre et on en a pour l'instant 25, et donc il faut être un peu plus vigilant sur ce Grand Prix. On est bien équipé au niveau moteur, on ne devrait pas souffrir à ce niveau-là, c'est plus le rythme et les pneumatiques qu'il faudra gérer parfaitement. On en termine avec le tour de présentation de ce circuit que l'on connaît par cœur et qui a été le théâtre de nombreuses décisions de titre. Great stuff, you pretty much nailed this circuit. This is a really strong foundation to build from over the weekend. Lors des qualifications à Interlagos, les équipes ont terminé leurs préparatifs et attendent que la voie des stands soit ouverte pour prendre la piste. D'après vous, Nicolas, est-ce que l'un des pilotes pourrait être tenté de chausser des gommes dures en qualification et conserver des pneumatiques plus tendres et donc avec plus d'adhérence pour la course de demain? Honnêtement, ça m'étonnerait. Seuls les grands favoris sont assez rapides pour réussir ce genre d'opération sans y laisser des plumes. Et de toute façon, le risque serait loin d'être négligeable. Le plus important, c'est d'avoir une position favorable. À quoi bon tenter le diable pour bénéficier d'une stratégie à peine meilleure? Je pense qu'aucun pilote ne va prendre ce risque. Bien sûr, je me suis déjà trompé par le passé. Il est clair que certaines décisions audacieuses peuvent en valoir la peine. Mais si j'étais au volant d'une de ces voitures pendant les qualifs, j'opterais pour des pneus rapides sans hésiter. La Q1 du Grand Prix du Brésil est avancée. L'objectif est de nouveau d'aller titiller la première ligne. On sait qu'on en est capable. Piste beaucoup plus ombrageuse que celle à laquelle on a eu droit pendant les séances d'essais libres. Ça ne devrait pas grandement perturber le rythme de la Red Bull. La descente vers le gauche du lac. Pour l'instant, Raikkonen prend le meilleur tour en 1.99. Vous voyez qu'on est sur l'un des tours les plus rapides de la saison avec l'Autriche, Monaco et Monza. Von Butler, 1.8.433 pour le Britannique sur la Mercedes. La remontée, on a perdu un peu de temps dans le dernier gauche. Verstappen 1.8.411 avec la Renault. On devrait pouvoir faire un 1.7 je pense. Ah non, 1.8.136. Et on est devant Verstappen et Perez.
pas mal de pilotes en pneus médium à l'issue de cette Q1, notamment Leclerc et Hamilton qui sont malgré tout devant Perez, Verstappen, Butler et Vettel également en pneus médium pour la suite du peloton. On garde les deux McLaren, ça c'est une bonne nouvelle. Pas de chrono pour Lucas Weber, c'est dommage pour l'Allemand sur l'Alpha. Et ensuite, eh bien, on perd les deux Williams, Kvyat et Magnussen. Afin d'éviter toute discorde suite au dernier Grand Prix où on a eu beaucoup de mal au départ avec les pneus médiums, eh bien on va tenter pour ce Grand Prix du Brésil une stratégie identique à celle de nos petits camarades. On verra bien. L'entrée dans les S, où la voiture arrive à bien pivoter. Un peu de sous-virage, mais j'ai besoin de ce manque d'appui à l'avant pour garder de la vitesse de pointe dans les sections rapides. C'est un compromis. Je pense que j'en souffrirai surtout au moment du départ. Premier temps inscrit devant Stroll, 1.9777 pour le pilote Mercedes. Le Canadien le plus rapide pour l'instant. En ce tout début de séance, battu par Leclerc, ce qui est déjà, vous le concéderez, beaucoup plus intéressant pour nous d'avoir une Ferrari comme chrono de référence. Les Ferrari qui fonctionnent bien ici en essai libre, j'ai jamais été devant. Sauf en pneus tendres. J'étais peut-être à la hauteur, mais sinon, les rouges ont l'air d'avoir pris un regain d'énergie au niveau de la R&D. Mais c'est pas ce qui va nous arranger, surtout si c'est Leclerc qui en profite. Mais attention à la fiabilité en cette toute fin de saison. DRS ouvert, on court jusqu'à la ligne. Oh, puis on est en un dixième derrière Leclerc. Ça va. Vettel qui vient de prendre le meilleur tour, 1.7.494. L'état de la situation nous renvoie 7 dixièmes derrière Vettel, le plus rapide. Leclerc le suit de une demi-seconde quand même, c'est un gros écart entre les deux Ferrari. On perd la deuxième Red Bull puisque je ne vois pas Hamilton qui sera 15e. Tout comme Albon et Perez, ils n'ont pas de chrono. Et cela permet à Raikkonen et Sainz de se retrouver en Q3. Troisième séance qualificative, l'instant où l'on doit tout faire pour se mettre aux côtés des rouges sur l'avant de la grille. Occasion pour nous de faire un point sur l'état de la mécanique avant le départ. On entre dans les S de Senna avec cette voiture toujours aussi difficilement incisive dans les secteurs serrés. On fait un bon début de tour. Vous voyez qu'au niveau de la mécanique, on est parfaitement large. De retomber en 3 pour faire pivoter la voiture à l'entrée du gauche du lac. La remontée vers le virage de Ferradura. Meilleur temps pour l'instant pour Carlos Sainz, l'Espagnol sur la McLaren Mercedes, battu par Verstappen. Hop, alors que là on a un petit décalage de la voiture, on a perdu sans doute quelques dixièmes importants. La descente vers le dernier virage, très délicate, on a une Mercedes devant nous. La remontée très importante, tout va se jouer dans cette ligne droite. On n'a pas encore de chrono, on sera sans doute devant Verstappen, mais pas de chrono des Ferrari à ce stade-ci de la qualif. Et une 7.138, c'est parfaitement capable de nous offrir la pole position. Il faut que les Ferrari ne soient pas dans un excellent jour. Aussi vrai que le soleil se lève le matin, le Grand Prix du Brésil attire les foules et fait vibrer son peuple. Victoire décisive, désillusion tragique, triomphe à domicile, le tracé d'Interlagos vous propose tout ça et bien plus encore. Interlagos propose un circuit long de 4,3 km avec 9 virages à gauche et 6 à droite. C'est une course adulée par les fans brésiliens de F1 où les pilotes devraient tourner à une vitesse moyenne de 220 km/h si le temps ne se gâte pas avant la fin du Grand Prix. C'est avec un immense plaisir que j'accueille Nicolas Martin qui vient de me rejoindre en cabine de commentaires. J'aimerais avoir votre avis sur Nico Hülkenberg. Ils ont été contraints de remplacer la boîte de vitesse et du coup difficile d'appréhender un Grand Prix avec une pénalité sur la grille de départ. En fin de compte, il est préférable de subir des désagréments au début plutôt que de finir avec une panne en plein Grand Prix. Espérons qu'ils sauront tirer parti de la nouvelle boîte de vitesse pour obtenir un bon résultat.
Après une séance de qualification extraordinaire, le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Red Bull part en pole position aux côtés de Charles Leclerc. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Vettel, Butler, Valtteri Bottas et Verstappen, Raikkonen, Stroll, Hülkenberg et Pierre Gasly, Norris, Perez, Alexander Albon et Hamilton, Kubica, Kvyat, Kevin Magnussen et George Russell. Weber et Carlos Sainz va partir dernier sur la grille. Les pilotes s'installent sur la grille, il est temps pour vous de monter le volume et rendez-vous au premier virage. Okay, go through all the gears if you can. We need to make sure the engagement is okay before the start. We're going to want to put some temperature into the tires and brakes. We need to keep the engine cool though, so don't go too high with the revs. Les nuages sont venus couvrir le ciel d'Interlagos dans ce tour de formation du 20e Grand Prix de la saison. On espère peut-être le remporter. C'est avec le meilleur tour et la victoire que l'on pourra empêcher définitivement Charles Leclerc d'être titré à Abu Dhabi. Il faut évidemment que tout se passe bien. Derrière, les deux Ferrari qui sont à l'affût, ça va être techniquement compliqué de les retenir au départ, mais si on rentre dans le rythme, pas possible qu'on puisse se battre à la régulière avec le leader. On calquera d'ailleurs notre stratégie sur celle du leader. Alors, pas de pluie attendue dans ce Grand Prix. On va évidemment tout mettre à fond pour l'extinction des feux. Température de pneumatique bien gérée, on devrait avoir une usure correct qui ne devrait pas dépasser la plage d'utilisation des pneumatiques. Donc franchement, on est pas mal, même si on a été mieux dans le passé. On est pas mal. On va essayer de chauffer un petit peu tout ça, même les freins, parce que c'est délicat pour circuit. Donc le tour de formation est très rapide. Il y en a quand même une pole pour 4 centièmes de seconde, ce qui n'est pas grand chose. Il y a la preuve qu'on est dans le rythme de la Scuderia. Et derrière, bonne surprise également avec une Mercedes qui se met quatrième. Hamilton piégé ne pourra pas nous aider dans cette lutte pour le titre mondial. On essaiera de faire au mieux évidemment avec les armes qui sont les nôtres. Keep an eye on the lights. The start sequence will begin as soon as the grid is formed. Be ready with the clutch. C'est parti pour le Grand Prix du Brésil, on roule à Interlagos. Oh, et on est attaqué par Leclerc, on est touché par la Ferrari. On a été touché par Leclerc dans l'entrée DS de Senna, on a dû prendre large, c'est très très chaud. Leclerc dans le gauche du lac qui essaie de revenir à notre hauteur, on reste devant. Départ très musclé face aux deux Ferrari qui tentent de passer en tenaille. On n'est pas super à la corde. Leclerc qui est donc deuxième. Vettel P3, quatrième place pour la Racing Point qui est passée devant Hamilton, devant Butler, je pense. Ensuite, on retrouve effectivement les deux Racing Point et les deux Mercedes qui s'expliquent. Et on va couvrir le premier tour de ce Grand Prix en tête. On était un peu perdu de notre MFD. Et Leclerc est à nos trousses. On rappelle, celui qui termine devant l'autre est potentiellement capable d'inverser la tendance, nous on peut être titré ici. Si on marque deux points de plus que Leclerc, Leclerc qui va venir à l'intérieur, on essaie de fermer la porte, il insiste. Et il va prendre le commandement de ce Grand Prix du Brésil. Alors que nous on fait le meilleur premier partiel et que Vettel s'attaque à notre voiture. Gestion correcte également. Increase ERS deployment. It's time to use some of this charge. De l'ERS. Deuxième partiel dans le monde. Je crois qu'on va aller chercher le meilleur tour. Qu'on va shipper à Leclerc. On est vraiment capable d'aller rechercher la Ferrari devant nous avec l'ERS et le carburant qu'on a. On opte pour l'extérieur. Conservateur sur mes gommes que j'ose pas
trop en demander. J'ai peur de ne pas aller au bout de mon stint. Leclerc qui ferme, on insiste. À l'intérieur, dans le gauche du lac. Et on prend la tête du Grand Prix. C'est fait. On reprend l'avantage par rapport à Leclerc. On peut taper dans le RS, hein. Et désormais, les deux Ferrari vont pouvoir profiter d'un DRS sur nous au prochain tour. Ce sera le cinquième. Et la situation ne bouge pas derrière avec une Racing Point devant une Renault. Et les deux Mercedes de Stroll et Butler qui se sont fait un peu avaler. Attention parce que c'est là que ça va être dangereux. C'est là que ça va être dangereux. Leclerc à l'extérieur. DRS va jouer son rôle hein, dans cette section. On va le récupérer à notre tour pour reprendre l'avantage face au Monégasque. Gros duel dans la tête de ce Grand Prix entre les deux protagonistes pour le titre. Est-ce qu'on va réussir à en tirer quelque chose? On n'est pas trop soumis au dépassement dans la section sinueuse. À partir de Ferradura, on est tranquille jusqu'à la remontée. Propose une nouvelle stratégie rentrée au 11e tour de course. On va rester calé sur l'idée initiale parce que les pneumatiques étaient incapables de faire plus. Et j'ai pas envie de tirer sur les tendres trop longtemps et le payer en fin de course. On reste sur ce qu'on avait dit, on est en tête, personne ne peut nous gêner. Leclerc, 3 dixièmes. C'est là qu'il va falloir y aller. Si on veut se défendre par rapport au moteur Ferrari. Et on se tient bien face à Leclerc. Dans la première partie, la seconde sera plus délicate parce qu'il sera déjà beaucoup plus près. Leclerc 3 dixièmes et Vettel 1 dixième. Les deux Ferrari qui remontent très fort. Et derrière, on a également le retour de la Racing Point et de la Renault. On va bientôt créer un train de 5 monoplaces en tête de ce Grand Prix du Brésil. On est au tiers de l'épreuve et on est toujours au commandement. Et jusque là, cette situation nous offrirait déjà le titre de champion du monde. Mais j'ai bien appris quelque chose à ne pas m'enjailler trop vite. Nouvelle charge de Leclerc qui tente l'intérieur, il peut pas passer, oh là là, il a essayé l'intérieur mais il n'y avait pas la place. On sera en médium nous comme les Ferrari et l'une d'entre elles sera condamnée à faire un overcut. Nouvelle charge de Leclerc peut-être, il est très très proche Leclerc à la sortie et ici on l'empêche d'aller à l'intérieur, il est condamné à partir à notre droite. À l'intérieur dans le gauche du lac, on manque de se percuter une fois, deux fois. Quel incroyable duel. Et on reste propre, hein. On reste clean dans les limites de la piste. On va dire que tout ce qui nous importe, c'est Leclerc aujourd'hui. Terminé devant cette Ferrari est le plus important. La victoire est anecdotique dans cette quête du titre mondial. Allez, on remonte une nouvelle fois vers les stands. Menacé. Il va y aller, il va y aller. Y est allé Leclerc. On peut se défendre. Ferrari qui ferme à l'intérieur. Et côte à côte. Il va passer cette fois.
ne peut rien faire dans cette section. Si ce n'est rester collé et attendre le prochain passage sur la ligne pour réattaquer. Attention, pneus tendres qui sont en train de lâcher. Tout doucement prise. Huitième tour, on devait rentrer à la fin du neuvième. Et tout se joue dans cette section. Tout donner DRS et ERS pour revenir. C'est ce qu'on fait. Je sais même pas où est Vettel, il est loin. In this lap, push now. On va rentrer à la fin de ce 9e tour de course comme c'était prévu initialement. On est proche, très proche de Leclerc. Nouveau DRS face à la Ferrari. Il referme une nouvelle fois la porte. On reprend l'extérieur avant le gauche du lac. Et on prend la tête. On reprend la tête de ce Grand Prix du Brésil. Incroyable. Et toute cette bagarre a permis à la Renault et à la Racing Point de revenir. Par contre, derrière, c'est un no man's land terrible. Les pneus sont en train de lâcher. On va rentrer à la fin de ce tour. Ça fera la mi-parcours avec des temps rusés. L'autre moitié avec... avec des médiums. Allez, on va plonger dans ce 9e tour de course. Dans les stands alors qu'on continue. Continue pour tout le monde. J'espère que l'undercut va fonctionner. C'est un gros pari sur les Ferrari. Personne ne rentre en même temps que nous. Nous avons des médiums neufs. Up to speed now. Let's get some heat into those tires. Et à nous maintenant d'aller gagner ce Grand Prix du Brésil. On sort sur une piste parfaitement libre. Et on a le DRS pour l'occasion. Alors il faut faire de très bons partiels dans cette section. On va rentrer beaucoup plus tard pour les Ferrari, ce qui veut dire qu'ils auront des pneus médium neufs plus performants. Mais ce sont les 1 ou 2 tours qu'on va faire maintenant en pneu médium par rapport à eux, entendre, user. Ils vont prouver si oui ou non la Red Bull a de quoi se battre aujourd'hui. Ou si on peut enterrer déjà tous nos espoirs par rapport à la Scuderia. Premier secteur dans le rouge évidemment, deuxième partiel qui doit être à mon avis plutôt bon. Et c'est le record dans le second secteur de ce circuit d'Interlagos. On remonte une nouvelle fois à l'attaque alors que c'est au stand qu'Hamilton. C'est peut-être aussi un atout pour nous. Hamilton rentre en même temps qu'une Ferrari pour la gêner peut-être dans la procédure. On va faire un troisième partiel exceptionnel. Il y a une Ferrari qui sort des stands. C'est Charles Leclerc. Alors là, il faut tout donner. Il faut tout donner par rapport à la Ferrari. Où est-il? Il est derrière. Et ça, c'est important pour la suite du Grand Prix d'avoir tenu Charles Leclerc derrière nous. Oh que c'était important! Et une différence d'un tour va-t-elle suffire à Leclerc pour être plus rapide en fin de course? On le découvrira dans 5-6 boucles alors que là on est allé large. On est acculé par la Ferrari. Vettel va probablement reprendre la tête de la course si la situation tourne une nouvelle fois en sa faveur avec 2 tours de moins d'usure de pneus que nous. The gap to the car ahead is 8.1 seconds. 8 secondes une de retard par rapport à Perez qui est donc en 3e position de ce Grand Prix du Brésil. On passe avec Leclerc à nos trousses devant la ligne pour entamer la 12e boucle. Et Vettel qui sort des stands. Vettel qui sort des stands, on est devant. On est devant, Leclerc qui va attaquer. Leclerc qui nous prend la tête du Grand Prix. Ouh, là c'est très tendu.
maintenant il est devant avec des pneus un peu plus frais. On s'en occupe pas, on roule. On garde à l'esprit notre objectif, terminer devant Leclerc. Le reste n'a pas d'importance. De percuter la Ferrari là. Remis le RS comme il le fallait. L'aspiration est déjà de notre côté. Le RS et le DRS vont faire leur travail. On reprend la tête. Et le titre par la même occasion. C'est tellement tendu. Les pneus sont pas en forme, on est large. Leclerc qui va avoir une nouvelle fois la porte ouverte avec le DRS. Incroyable. Duel dantesque. Alors là, il y a des problèmes de balance également. On commence à voir l'arrière qui coince. Oula, oui, forcément. J'étais un peu loin au niveau de la balance. On va remettre à 52. Ça aidera sans doute la voiture à récupérer du rythme. On reste à 4 au niveau de l'ERS. On va voir si on peut se rapprocher déjà de la Ferrari une nouvelle fois. On est beaucoup mieux sur les freins et sur la relance également. Plotti derrière Leclerc. Le DRS, on assiste à l'intérieur. Oh, faut pas se toucher. Et on est derrière, je crois, pour la ligne. On va voir le DRS. Oui, on l'a. Oh là 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 là, que c'est chaud, que c'est chaud. We have 5 laps of fuel remaining. On est large niveau carburant. Leclerc qui repasse. Faut vraiment qu'on arrive à sortir de ce gauche du lac bien mieux que lui. Ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Intérieur. On reprend une nouvelle fois la tête, mais c'est dans cette ligne droite qu'on doit faire la différence. On va essayer de garder un maximum d'atouts. Il arrive à venir, j'ai pas le temps de fermer la porte. Hein. Et là on réaccélère mieux par contre. Ça c'est différent des tours précédents. On se touche. Magnifique. Et là, on est à l'avantage, il insiste. Incroyable, incroyable. Oh, c'est là, c'est nous qui sommes large. Et il va repiquer. Quel duel incroyable. J'ai jamais vécu ça, je crois. Il veut pas lâcher son titre. Et moi non plus, c'est ça le problème. Mais il n'y en aura qu'un. Et pour l'instant, ce sera nous. Et il aura le DRS dans la ligne droite de retour. Il est obligé d'aller à l'extérieur et Vettel qui est revenu. Cap to teammate behind is 11.9 seconds. Oui, on s'est touché avec Leclerc. Mais est-ce qu'on a abîmé la voiture? Je suis pas sûr. Oh, légèrement, mais rien de bien grave. En train de lâcher. C'est maintenant. Il faut faire la différence. Où est-ce que je peux le prendre? Nulle part, à part en ligne droite. Ça va être chaud niveau carburant, ça va être chaud, mais on doit gagner ce Grand Prix du Brésil. Nouvelle charge à l'extérieur cette fois. Et on reprend l'avantage, on entame l'avant-dernier tour. Il faut le tenir ce dernier tour, Leclerc à la charge. Alors c'est dans la ligne droite maintenant qu'on va devoir faire ce qu'il faut.
C'est ici que ça va se jouer. Avec le DRS. Oh là là, ça va être très tendu. Tente l'extérieur. Est-ce que ça va passer? C'est fait. C'est fait. On est entré dans Ferradura devant Leclerc. Et on n'a plus de DRS. Oh là là, la fiabilité qui nous lâche. In extremis, imaginez si on n'avait pas eu le DRS. Je crois qu'on va le faire, Il nous reste une accélération. Un petit peu large. Et ce sera suffisant. Nous allons remporter le titre de champion du monde pilote. Ça va être fait. Attention, Leclerc qui revient. Leclerc sur la ligne. Non, non, non. Yes, yes, yes. We're on the podium. Good job this weekend. Great drive. Thank you. Ah, c'est pas possible. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. L'épingle du jeu aujourd'hui. Magnifique victoire. Mais non, mais c'est pas possible. Dites-moi, Nicolas, qu'est-ce qui leur a permis de tirer leur épingle du jeu aujourd'hui? Ah putain, j'ai tout donné. Adapté à leur monoplace. Ah, j'ai tout donné, je croyais que c'était bon, mais non, Lorsque la température des pneus est optimale, les performances sont au rendez-vous. Vous avez donc tout intérêt à maintenir cette température. Voilà ce qui a fait la différence aujourd'hui. Leur monoplace. Ah, j'ai tout géré jusqu'au bout, que c'est cruel. Une course palpitante et un. Ah, je veux voir l'écart sur la ligne. L'histoire se répète et les fans du monde. Ah, l'histoire se répète, c'est un peu l'idée, ouais. Oh, quelle cruauté. Oh là 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 là. C'est incroyable, vous avez vu l'écart? 34 millièmes. J'ai tout mis, le RS, le moteur, j'ai tout mis à fond. Il n'y a rien à faire, cette Ferrari me fera jusqu'au bout du tort. En tout cas, l'écart est fou. On est trois voitures en une demi-seconde. Hein. C'est énormissime. Bon, heureusement, on prend le tour le plus rapide, ça fait un point. Mais oh, putain, si on avait 7 points, c'était fait, quoi. J'ai une pression, vous imaginez pas, je crois. C'est incroyable. Bon, du coup, le classement, bon, un peu anecdotique, hein, parce qu'on avait vécu tellement d'émotions, là. Avec des points pour Hülkenberg, des points pour Stroll. Bon, on s'en fout. Alors, le classement, honnêtement, là, vous regarderez les résultats, mais c'est pas le plus important. On est 19 points devant la voiture de Leclerc. On en avait combien? 14 l'année passée d'avance. Ça va être tendu. Ça va être tendu. Mais bon, on n'est pas aussi loin du rythme que l'année passée au niveau d'Abu Dhabi. Donc, c'est tout à fait possible d'être champion. Mais pas 2 ans de suite. C'est pas possible. On peut pas se faire avoir 2 ans de suite par une Ferrari. En plus, c'est pas la même. C'est d'autant plus frustrant. Bon, en tout cas, Ferrari est champion constructeur. 83 points d'avance pour la Scuderia. On peut pas aller rechercher les rouges. Ça fait quand même déjà un titre qui nous échappe. Mais surtout, au classement pilote, eh bien, c'est pas fait. C'est juste pas fait, en fait. Alors, après ce Grand Prix difficile, nous avons évidemment la possibilité d'améliorer l'auto. Donc du coup, on va se contenter de continuer à mettre des deniers dans l'amélioration de la voiture pour l'année prochaine. On va essayer de faire un maximum de petites améliorations là qui ne coûtent pas trop cher. On va pouvoir en faire plusieurs. 300, bah écoutez, voilà, on a amélioré déjà une partie de la fiabilité. C'est pas mal, il nous reste pas grand chose avec les 600 points qu'on a obtenus pour le coup, parce qu'on devait marquer 37 points lors des deux derniers Grands Prix. On en a marqué 38, donc pour le coup, là, on a répondu aussi aux attentes, donc on aura 600 points. Donc 600 points, ça nous permet de faire deux améliorations encore. Donc 600 points là, sans compter les 1000 qu'on aura encore, je pense, du côté d'Abu Dhabi. Donc voilà la situation pour le coup. On a toujours notre R&D qui est en cours avec l'amélioration à Abu Dhabi du moteur, qui sera un gain, je pense, intéressant. J'espère que le moral est toujours bon. Oui, le moral est positif, donc tant mieux. Et voilà, écoutez, tout va se jouer
À Abu Dhabi, j'aurais bien aimé vouloir conclure l'affaire dès ce week-end, hein, parce que c'est pas que ça me stresse, mais quand même. Mais bah, ce sera pas pour le Brésil, ce sera à Abu Dhabi. Et bah, on jouera le titre là-bas, face à Leclerc. Mais bon, j'ai très bon espoir par rapport à l'année dernière, où je partais beaucoup plus désarmé au niveau mécanique, au niveau stratégique, au niveau puissance. Là, on va avoir une amélioration de puissance, justement, qui va, je l'espère, fonctionner. Et bah, tout le reste dépendra sûrement de la Scuderia et de ce qu'on aura pu en faire. C'est vrai que la partie, regardez, entre le Grand Prix de Hongrie et Singapour, on était les plus proches de la Scuderia. On a gagné les deux courses et encore une fois, on aura gagné quand même quelques courses. On a mis du temps à rattraper le retard, mais dès la Hongrie, on a quand même gagné 1, 2, 3, 4, 5, 6 Grands Prix cette année. On en a deux qui nous passent sous le nez, mais in extremis. Hein, je pense notamment au Japon avec Verstappen et ce week-end avec Leclerc. Je rappelle qu'on perd pour 3 centièmes de seconde la victoire et le titre, mais c'est pas grave, ça nous ramènera. Franchement, quand je vois des gens en commentaire parmi vous qui me disent « Oui, tu l'as fait exprès » ou « C'était sûr ». Mais c'était sûr en fait ! Bah non, en fait, non, c'est pas sûr. Parce que là, pour moi, réussir à arriver sur la ligne avec 34 millièmes en étant battu, en étant pied à fond, j'ai vraiment pas fait exprès. Croyez-moi. Donc on se donne rendez-vous pour la grande finale. Soyez au rendez-vous, ce sera à Abu Dhabi, sous les étoiles, avec un casque spécial une nouvelle fois. Et je l'espère, on repartira avec un gros numéro 1 gravé sur le moteur de notre voiture. Merci à toutes et à tous, et rendez-vous pour la finale. Je l'espère, tout aussi haletante. C'était l'un des plus beaux Grands Prix que j'ai jamais proposé, je pense. Ce Grand Prix du Brésil. Et rendez-vous donc à Yas Marina. À la prochaine, salut.